Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Quand bien même il y a des trucs qui se passent au pays, au Cameroun, ça ne veut pas pourtant dire que les gens doivent fermer les yeux et ça ne veut pas pourtant dire que les gens ne doivent plus parler autre chose ou bien que les gens ne doivent plus bavarder. Non, c'est pas comme ça parce que je vois vraiment partout au réseau quand les youtubeurs, pardon, oui, je peux toujours dire les youtubeurs, quand les filles sont en train de parler de leur ceci ou cela, les gens, certaines personnes laissent les commentaires qu'il y a telle chose qui se passe au pays. Mais la vérité qui est là est que même en Irak, hein, même en Irak, quand vraiment l'Irak a la guerre que le monde entier connaît, oui. Quand il y avait cette guerre et quand bien il y a la guerre là, toujours, bon, les gens parlent, c'est pour dire que partout au monde, si je parlais Irak, ce n'est que l'exemple, c'est pour dire que partout au monde, quoi que ce soit, les yeux sont ouverts. Quand les yeux sont ouverts, c'est pour regarder les places. Et quand les yeux regardent les places, donc, les gens sont libres de dire, bon, disons, ils sont libres de parler, mais attention, sans casser la loi. Comme je dis toujours, bon, c'est ça. Sinon, que maintenant là, je voudrais m'adresser vraiment à nos sœurs, je voudrais m'adresser à nos sœurs camerounaises. Que, pour commencer, je ne connais pas Cathy FM, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Vous toutes là, je ne vous connais même pas. N'en parlons plus, peut-être les faux profils. Bref, tout le monde pour moi au Facebook Cameroun, j'appelle tout le monde là-bas que. Faux profil parce que une réalité je ne connais personne là-bas. La seule personne que je connais ce n'est que ma soeur, hein? Bon, je veux plus prononcer son nom, ce n'est qu'elle que moi je connais là-bas en France, disons parmi les youtubeurs. Je ne dis pas qu'en France je connais seulement, non, je parle des youtubeurs qu'il n'y a que elle que je connais, il y a qu'elle que je connais. Le reste de personnes je ne remarque personne, t'as dit personne, absolument personne. Vous voyez un peu. Donc, je reviens à vous dire que je ne connais pas Cathy FM. Ou Cathy FM, c'est qui? Oh, je ne connais pas. Je ne la connais pas. Mais toujours est-il que c'est une sœur camerounaise. Ça me reste dans la tête. Je sais que Cathy FM, c'est une sœur camerounaise. Je ne dois pas la connaître pour qu'elle soit camerounaise. Elle est déjà camerounaise. Nous sommes déjà nés au Cameroun, donc c'est notre sœur, Cathy FM est notre sœur. Bref, je voudrais un peu ici tirer l'attention vraiment des autres pour dire que ne vous contentez pas du problème d'une personne. Ne vous contentez pas si jamais elle a un problème, parce que je sais que parfois, Facebook, YouTube, je sais parfois les gros mensonges sortent là-bas. Mais si c'est vrai qu'elle est enfermée ou ceci ou cela, mais. Est-ce qu'elle n'est pas la première personne d'être enfermée ici-bas? Elle n'est pas la première personne. Et même si elle était la première personne, après tout, c'est une sœur camerounaise. Les gens, ne vous moquez pas d'elle et je ne sais pas, ne faites pas de cela. Bref, ne vous moquez pas d'elle, ne l'insultez pas, laissez tout ça. Hein? Je vous ai déjà bien dit que je ne la connais pas. D'abord, je ne connais personne. Je parle personne parmi les gens qui font YouTube, je ne connais personne. Il y a une seule personne qui est ma sœur là-bas parmi les youtubeurs. Hein. Bien sûr que bon, que personne ne me dise que n'est-ce pas, tu as fait vidéo pour non. Moi, quand je fais une vidéo pour ma sœur, ce n'est que bon, ce n'est que le conseil. Je ne fais pas. Il n'y a pas une vidéo que j'ai fait pour l'insulter. Parce qu'il a insulté et il a donné peut-être un petit. Est-ce que je vais m'appeler ça conseil? Est-ce que je suis conseillère? Non, je ne suis pas conseillère. Donc, ce n'est que peut-être donner mon avis. C'est ça. Hein? Donc, même à elle, si, bon, j'ai eu à faire vidéo, la concernant, ce n'est que mon avis que je donne. Mais il n'y a pas une vidéo vraiment que. Faire vidéo et insulter ta soeur camerounaise parce que. Donc, je reviens encore pour une troisième fois vous dire que je ne connais pas Cathy FM, mais vraiment les bêtises que vous parlez d'elle là, vraiment, c'est pas gentil. Arrêtez ça. Hein? Si elle est dans les problèmes, elle est dans les problèmes. Quand une personne, quand un membre
a un problème, le corps humain doit ressentir ce problème, c'est-à-dire le corps humain doit aussi être malade. Donc ne vous réjouissez pas de son problème, pour ça c'est une réalité. Si vous avez peut-être votre idée à donner, bon, vous donnez. Hein? Si vous avez votre idée ou bien vos. Je ne sais pas, votre opinion, vous donnez votre opinion. Comme je disais à tantôt, que j'ai une seule sœur là, j'ai une seule sœur là-bas, hein, qui est vraiment grande youtubeur. Elle est ma seule sœur, donc vraiment, le reste des personnes, je vous dis vrai que je ne connais personne. Et même elle, j'ai même arrêté que bon, ça ne vaut pas la peine parce que bon, je commence à voir que bon, c'est elle. Donc là voilà, c'est-à-dire que c'est elle, bon, c'est comme ça, c'est elle. Ou je continue à accepter, elle est ma soeur, ou bien je dis, bon, elle n'est plus ma soeur et tu ne peux pas refuser. Ta soeur est déjà ta soeur, tu ne peux pas refuser que ce n'est pas ta soeur. Donc le mieux, c'est de rester, moi, c'est d'observer, c'est tout ce que je peux dire. Vous voyez un peu? Donc c'est pour vous dire que une personne comme Cathy FM, je ne la connais pas, laissez Cathy FM tranquille. Si elle est là où elle est, vous dites qu'elle est enfermée ou ceci, ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Et aussi quelque chose, je vois certaines personnes. Oui, j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai vu plusieurs. Et les vidéos, et les commentaires, et ceci et cela. Que pour que les. Toutes personnes, les gens qu'elle a fait ou c'est quoi vont sortir avec leurs plaintes. Je demande, vous croyez que les plaintes c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que si on t'arrête aujourd'hui que tu as volé? Donc. Je pense bien que les droits camerounais connaissent que les gens peuvent sortir, les menteurs peuvent s'amener là-bas dire qu'elle m'avait aussi volé, Cathy F, elle m'avait aussi fait ceci, elle m'avait aussi arnaqué, elle m'avait aussi. Mais il faut les preuves, c'est-à-dire il faut les évidences. Hein? Parce que selon vos vidéos, vous croyez que chaque personne, me voici, je ne la connais pas, ou même si je la connaissais. Donc, je vais seulement venir aussi, je me place, elle dit qu'elle m'avait aussi fait ceci. Je dépose une plainte qu'elle m'avait aussi fait ceci. Vous croyez que ce n'est pas comme ça que ça marche? Hmm? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Certaines personnes parmi vous iront là-bas avec ce genre de plainte. Et après son problème fini, elle peut même maintenant se plaindre. Donc, pardon, réfléchissez avant de faire les trucs. Ou avant de parler. Ou bien c'est tout simplement parce que, je ne sais pas, parce que bon, les vidéos peut-être. Vous faites les vidéos seulement pour les views, ce n'est pas vraiment pour le rôle où vraiment les vidéos devraient être pour quelque chose, donc pour des idées bonnes ou des idées peut-être correctives, hein, des idées qui corrigent, disons les idées bonnes quoi. Mais vous avez rendu Facebook ce que Facebook est, donc c'est devenu vraiment un endroit de sabotage. Donc je suis en train de vous dire que. Bien sûr, je ne connais pas Cathy FM, c'est-à-dire je ne peux pas savoir où ce qu'on parle d'elle est vrai ou faux. Une personne reste toujours suspecte jusqu'après le dernier mot du président du tribunal, jusqu'après la fin du tribunal. Vous voyez un peu, vous ne pouvez pas dire qu'elle a fait tête, elle a fait et tout ça. C'est après le tribunal. Vous êtes libre de dire tout ce que vous pouvez dire sur Cathy FM. Vous voyez un peu, vous êtes libre de dire tout. Mais n'abusez pas. Et ne croyez pas que vous allez seulement vous présenter, dire qu'elle vous a fait tel truc. Et que les droits camerounais, donc, oui, les droits camerounais, oui, vont seulement accepter parce que si elle a fait tel truc à tel, vous sortez là avec vos faux trucs. Vous croyez que le droit camerounais va seulement accepter parce que vous êtes sorti avec vos trucs? Non. Non. Il faut les preuves tangibles. Hein? Elle vous a fait ceci, elle vous a fait cela. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Donc, vraiment, laissez son nom, dis donc. Après tout, elle reste notre soeur camerounaise. Elle est née camerounaise, comme moi, je suis née camerounaise. Nous sommes toutes nées camerounaises. On doit quand même laisser l'espace de cet amour des enfants d'un même pays, dont les soeurs et soeurs, frères et frères. Donc, on doit s'aimer. Il n'y a pas à dire que. C'est maintenant Cathy FM. Les choses sans preuve, vous parlez. Il y a quelle preuve? Qui était là? Elle est prise pour ce qu'elle est là. N'est-ce pas? Si vous avez pour vous, vous avez les preuves. Bon, sortez vos preuves. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est tout le monde, vous toutes maintenant, c'est
disons, tout le monde que j'ai vu, c'est seulement Cathy FM, c'est si les gens vont sortir avec les plaintes, avec millions de plaintes, mille. Est-ce que ça, ce n'est pas sortir avec les plaintes qui veut dire que quelqu'un a nécessairement fait ce que vous l'accusez? Il faut beaucoup d'autres choses pour arriver à ce point-là. Hein? Donc, mes très chères sœurs, ce n'est pas gentil, vraiment, ce n'est pas gentil. Oui, c'est pour dire que les gens aussi qui disent que le Cameroun a des vrais problèmes à parler, pourquoi vous parlez-vous de Cathy FM? D'une part aussi, c'est vrai, mais d'une part aussi, c'est faux. Parce que même si c'est comment, même si c'est comment, même si c'est à l'église, n'est-ce pas? Même si c'est à l'église, quand les urines veulent sortir, mais vous partez uriner, non? N'est-ce pas? L'église est vraiment en pleine communion, les gens sont en train de partir prendre la communion. Mais quand vous voulez uriner, vous partez aux douches, vous partez débarrasser ces urines là, c'est pour dire que même s'il y a quoi, quand même les gens ont les yeux, les yeux sont ouverts. Quand les yeux sont ouverts, c'est pour voir. Donc il n'y a pas une limite de dire que c'est ce ou cela. Donc je vous en prie, je vous en prie, prenez Cathy FM comme si c'était vous-même. Oui, je ne dis pas que ne parlez pas, oui, parlez, mais ne dites pas, n'appelez pas, voilà le mot, parce que vous appelez les gens de sortir avec leurs plaintes. C'est surtout cet endroit-là. Vous appelez les gens de sortir avec les plaintes de quoi? Hmm? Est-ce que c'est le même problème? Le problème qu'elle est dedans, est-ce que c'est le même problème avec ce qu'elle t'a fait? Ou bien avec ce qu'elle a fait une autre, si jamais elle a fait? Hein? Hmm? Ne contaminez pas les trucs. Parlez rien que pour ce qu'elle est là. Si vous avez quelque chose, vous voulez parler, parlez rien que sur ce qu'elle, dont au point où elle se trouve, rien que pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle est là. Vous voyez un peu, parlez rien que pour cela. Si c'est un conseil à lui donner, vous donnez rien que là-bas, ne débordez pas. Ne partez pas vraiment hors topic. Oui, oui, vous pouvez bien partir hors topic, mais ça ne doit pas vraiment aller de très longues distances comme vous faites là. Hmm? Ça ne doit pas aller de très longues distances. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas vraiment. Vraiment, je ne sais pas. Hmm? Laissez le droit faire son travail. Si jamais il y a quelque chose que le droit doit faire, vous le laissez faire le travail. Vous avez quelque chose à dire, vous parlez, oui, parlez, mais ne parlez pas les trucs hors chemin. Hein? Les trucs hors chemin, que je ne veux pas émaner cela maintenant, parce que vous êtes maintenant en train de faire des vidéos, dire comme vraiment les trucs, je ne sais pas. Et je ne veux pas vraiment prononcer ces trucs-là. Avec ma bouche, je ne peux pas, je ne veux pas. Je peux, mais je ne veux pas. Donc vraiment, mes soeurs, arrêtons cela, c'est pas bon. Je me retiens, c'est pas moi, c'est des trucs comme ça. Donc, je ne vais même pas dire qu'arrêtons cela. Il m'a dit, pardon, arrêtez cela, c'est pas bon comme ça. C'est pas bon. Après tout, c'est notre soeur. C'est notre soeur. Là, elle est, si vous étiez au Cameroun, donc vous n'irez pas là-bas la regarder, lui donner peut-être un secours si elle a besoin. Et voilà les trucs. Voilà les trucs à faire les litiers ou c'est les vivres. Voilà les trucs. Si elle a besoin de l'aide, voici le temps que bon. L'aider ne veut pas dire que vous encouragez ou vous l'encouragez dans ça. Non, c'est tout juste pour l'aider à suivre le problème ou disons pour l'aider à. Bon, parce que là où elle est, si elle n'a pas les gens au Cameroun, donc si c'est vrai que vous dites qu'elle est enfermée. Donc, si elle n'a pas la famille ou elle n'a pas les amis, si elle n'a personne au Cameroun, c'est pour dire que même la famille ne peut la prendre là-bas parce que vous n'avez pas le temps de penser à cela. Vous pensez seulement à il faut que les 1000 personnes, il faut que millions de personnes sortent avec les plaintes. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Si vous étiez au Cameroun, c'est mieux plutôt de lui rendre visite. Vous avez votre mot à dire, vous lui dites. Si c'est même un gros, n'importe quoi, vous dites. Vous voulez faire des vidéos, vous faites. Mais ne faites pas des vidéos, le genre que vous êtes en train de faire là. Et ne l'insultez pas, voilà le point, ne l'insultez pas. Ne passez pas le temps à l'insulter, lui donner tout genre d'insultes du monde, c'est pas gentil. C'est tout ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire que je supporte Cathy FM ou je ne supporte pas. Ça ne veut pas, ça n'a rien à faire avec la supporter ou ne pas la supporter. Ça n'a rien à faire avec cela. Ça a beaucoup à faire avec l'être humain, oui, avec une sœur camerounaise, oui. On peut être allemande, on peut être américaine, on peut être française.
ça n'efface pas que la sœur d'une personne, c'est des sœurs. Donc nous sommes toutes des sœurs. Hein? Nous sommes toutes des sœurs. On peut être de différents pays, mais nous restons des sœurs. Donc c'est comme ça. Elle-même, elle connaît. Elle a fait cela ou elle n'a pas fait, elle connaît. Et le juge est mieux placé. Hein? La justice camerounaise va trouver la vérité. C'est comme ça. Sans l'insulter, parce que, pardon, faites un peu aussi déjà comme la justice. Hein? Vous n'allez pas voir la justice se place là pour l'insulter. Là. Non, la justice va faire justice. La justice n'aura pas le temps de rester là-bas, l'insulter des orteils jusqu'à la chevelure, de ceci, de sa vie, de A à Z. Non, elle est là pour ce qu'elle a et c'est là. Donc arrêtez de l'insulter, ne l'insultez plus. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. À bientôt.